Eh ben, cet après-midi sur Altep Ménilmontant, vous allez adorer le PLU bioclimatique. Parce que, alors là, si on devait démontrer la politique de l'enfumage par ce PLU bioclimatique, elle est illustrée par les précédents orateurs. Monsieur Bonnet-Oulage, qui en vient jusqu'à citer monsieur Béliard et ses propos pour tordre le bras de ses alliés écolos. Et quant aux autres, ils sont obligés de s'y mettre à deux pour essayer d'ensevelir monsieur Bonnet-Oulage. Monsieur Grégoire, je vous souhaite bon courage, mais vraiment bon courage. Alors, c'est la raison pour laquelle on dépose un vœu, parce qu'il faut mettre un peu de bon sens dans tout ça. Et c'est ce vœu qui est inspiré par mes collègues Nelly Garnier et Jean-Christophe Martin, et des élus du 11e arrondissement. Car le TEP Ménilmontant, c'est l'archétype même de ces projets à contresens historique portés par votre majorité depuis 10 ans. Sur cet espace non construit, dans l'arrondissement le plus dense de Paris, vous êtes acharné à vouloir construire des immeubles d'habitation. Ça a été rappelé encore il y a quelques instants par vos propres alliés. Ce projet n'a été abandonné que grâce à l'importante mobilisation des riverains, des associations et de nombreux élus de manière transpartisane. Il avait été acté que le TEP Ménilmontant serait sacralisé, comme un espace vert et de respiration. Aujourd'hui, vous proposez d'y installer un centre d'hébergement d'urgence. C'est une manière de détourner ce lieu de la vocation que veulent lui donner les habitants. Est-ce qu'installer un centre d'hébergement d'urgence au sein du TEP Ménilmontant permet que le lieu garde sa vocation d'espace vert et de respiration? Bien évidemment non. Notre vœu vise donc à sacraliser le caractère végétalisé du TEP Ménilmontant. Il demande notamment que la totalité de la surface en béton restante au niveau des anciens vestiaires soit supprimée au profit d'espaces en pleine terre. Il faut débitumer, il faut déminéraliser. Nous avons la possibilité de le faire sur le TEP Ménilmontant. Il n'y a quasiment plus de lieu où nous pouvons le faire à Paris, puisque vous avez construit partout. L'amendement des écolos, ainsi que votre réponse à cet amendement, ne répondent pas du tout aux problèmes posés par la délibération. Installer un centre d'hébergement d'urgence sur le TEP, ce n'est pas donner la priorité à la végétalisation sur cet espace, soyons quand même honnêtes intellectuellement, ce n'est pas non plus donner la priorité à la possibilité de bien vivre à Paris non plus pour l'ensemble de ses habitants. Voilà l'objet de notre vœu, que nous vous invitons à voter et nous invitons tous ceux qui s'opposent réellement, avec honnêteté intellectuelle, à la densification et à la minéralisation de Paris.